Salut tout le monde, c'est Ladybug. Aujourd'hui, on parle des aleurodes. Alors, aujourd'hui, je vous fais un petit vidéo rapide sur les aleurodes parce que c'est le printemps, vous allez en voir beaucoup. Les aleurodes, c'est un insecte qui est très prolifique en serre. Donc, comme c'est le printemps, puis que tout le monde est énervé, puis que vous allez acheter des potées fleuries pour faire vos arrangements à l'extérieur, fruits et légumes, des nouvelles plantes, etc., etc., ben il y a des bonnes chances que vous rameniez des aleurodes chez vous. C'est déjà commencé d'ailleurs, j'ai déjà vu sur le groupe plusieurs personnes qui rapportent avoir des aleurodes présentement. Les aleurodes aiment beaucoup les hibiscus, les poinsettias et ce genre de plantes tropicales qui sont produites en quantité industrielle dans des serres. Également, ils vont beaucoup aimer les tomates de serre et les concombres de serre. Donc, si vous achetez des fruits, des légumes, là, des fruits et légumes pour mettre dans votre jardin bientôt, ben faites attention à ça. Aussi, inspectez vraiment bien vos plantes tropicales que vous allez acheter ce printemps, parce qu'avec les nouveaux arrivages, là, justement, soit de Floride ou tout ce qui sort des serres au printemps, ben souvent, il y a beaucoup d'aleurodes là-dedans. Les aleurodes, c'est un petit insecte ailé blanc d'environ 1,5 à 2 mm de long. Les aleurodes pondent leurs œufs sur la surface inférieure des feuilles, donc en dessous de la feuille. Les larves vont éclore en quelques jours, et puis les larves, c'est des petits insectes plats. Ça ressemble à des petites cochenilles, en fait, parce que c'est dans la même famille. Donc, les larves sont plates, elles sont blanches aussi, blanches-beige, et puis elles sont mobiles. On peut les voir bouger, mais c'est quand même des très petits insectes. Les œufs sont invisibles à l'œil nu, vous n'allez pas pouvoir les observer à moins d'utiliser un microscope. Les larves vont passer au stade de pupe, donc ils vont faire leur métamorphose pour devenir adultes. Et puis ça se produit dans une petite boîte qui s'appelle un puparium. En fait, la petite larve, elle va se construire une espèce de petit abri pour faire sa métamorphose. Puis ça ressemble à une petite boîte qu'on appelle un puparium. Les aleurodes, on va souvent remarquer leur présence quand on passe tout près de la plante et puis que là, on fait bouger le feuillage. Les petites mouches vont s'envoler parce que sinon, autrement, elles sont assez discrètes, ces petits. Ça bouge pas beaucoup. C'est vraiment juste quand qu'ils s'envolent tout en même temps qu'on va remarquer leur présence. Les dommages d'aleurodes, ben ça va être plusieurs petits points, des petites piqûres jaunes ou blanches sur la feuille. Donc, comme les tétraniques et les thrips, c'est des insectes piqueurs-suceurs. Donc, elles vont piquer la feuille et sucer le contenu de la cellule de la feuille. Fait que ça fait plein, plein, plein de petites piqûres sur les feuilles. Quand l'infestation est vraiment avancée, mais là, la plante au complet a vraiment une allure affaiblie. Et puis, on voit qu'il y a plein, plein, plein de petits picots blancs partout sur les feuilles. Vous allez aussi voir du miella sur le feuillage, un peu comme les cochenilles et les pucerons, parce que c'est toutes des insectes de la même famille. Ils vont tous dégager du miella. Pour traiter une infestation d'aleurode, vous allez faire un traitement insecticide avant de mettre des prédateurs. Les insecticides que vous allez utiliser, ça doit être des insecticides bio. Si vous voulez utiliser des encarcias ou des Swirsky, après, évitez d'utiliser des insecticides chimiques. Vous allez faire une pulvérisation foliaire sur l'entièreté de la plante, mais surtout en dessous des feuilles. C'est vraiment important de bien recouvrir le dessous des feuilles parce que c'est là que les œufs et les larves sont. Et si c'est possible aussi, si la plante n'est pas trop grosse puis que vous êtes capable de nettoyer manuellement le dessous des feuilles, c'est encore mieux. Vous allez tout tuer les larves et les œufs. Donc, comme je disais tantôt, évitez d'utiliser des pesticides chimiques. Utilisez plutôt du savon noir ou des huiles horticoles. Ça fonctionne très bien. Pour ce qui est des prédateurs, les Swirsky, les Amblyseus Swirsky, les petits acariens prédateurs vont s'occuper de manger les œufs et les larves. Et puis, les Encarcias vont s'occuper des pupes d'aleurodes. Donc, les Encarcias, c'est une petite guêpe parasitoïde. Et puis, ce qu'elle fait, elle, c'est que elle vient pondre son œuf, sa larve, dans le petit puparium.
Et puis, la larve de guêpe va éventuellement se nourrir de la larve d'Aleurode. Elle va devenir adulte, puis là, éventuellement, elle va sortir du puparium. Puis là, c'est une guêpe adulte qui va continuer le cycle, qui va aller parasiter un autre puparium. Pour ce qui est des adultes, il n'y a pas de prédateurs parce que les adultes, ben, ils volent, hein, fait que, tu sais, il n'y a pas grand-chose qui peut les attraper. Eux, dès qu'ils sont dérangés, ils vont s'envoler. Donc, pour les adultes, vous pouvez utiliser des pièges collants jaunes. Donc, tu sais, si vous avez les Swirsky pour les œufs et les larves, avec des encartia pour les pupes et des collants jaunes pour les adultes, ben là, vous avez vraiment les trois stades de croissance des aleurodes couverts. Donc, c'est pas mal tout. J'avais pas le temps aujourd'hui de vous faire vraiment une vidéo en profondeur pour un traitement d'aleurodes, mais je voulais vraiment vous parler des aleurodes rapidement parce que, comme je disais au début, vous allez commencer à en voir de plus en plus dans vos nouveaux achats. Et puis, sachez qu'il y a des solutions pour ça. Et puis, les encartia sont maintenant disponibles en tout temps sur le site web. Donc voilà, j'espère que c'était clair. C'est tout pour les aleurodes. Merci, bonne journée.